On demande beaucoup. Hein. Vas-y. Quelle que soit la variante de garde, Tori bouscule Uke pour le faire reculer. Il va fixer Uke en s'opposant à son recul. Il profite de sa réaction pour l'amener en déséquilibre sur ses avant-pieds. Cette fixation est obtenue grâce à la posture basse de Tori qui renforce son équilibre. Ainsi qu'à la traction du bras gauche ou des deux bras. L'ensemble s'exprimant comme un mouvement de vague. C'est la phase de préparation. Tori va alors profiter du retour de vague pour pivoter et placer Uke sur son dos. C'est la deuxième phase de la séquence. La rotation, qui est lancée par la jambe gauche, se transmet au bassin, puis au haut du corps. Le Tai Sabaki va être facilité par l'orientation du pied avancé de Tori vers l'intérieur. Dans le cas de Ippon, pour éviter de rentrer trop tôt en contact avec Uke, Tori efface son épaule droite vers le bas tout en maintenant l'action de traction du bras gauche. Cette action doit précéder ou se confondre avec le déclenchement du Tai Sabaki. En fin de rotation, au moment du contact, il emboîte l'épaule droite de Uke. Dans le cas de Morote ou Eriseoi, la défense de Uke peut rendre le passage du coude difficile lors de la rotation. C'est pourquoi Tori visse son avant-bras vers l'intérieur tout en accentuant l'action de Tsurite et de Ikite. L'effacement de l'épaule droite vers le bas facilitera le passage du bras tout en évitant à Tori de rentrer trop tôt en contact avec Uke. Quel que soit le kumikata, Uke se retrouve chargé, fixé sur le haut du dos de Tori. Dans le cas spécifique de Eriseoi, Tori peut décaler son pied droit vers l'extérieur pour empêcher l'esquive de Uke. Dans tous les cas, le bras gauche maintient la traction. Les deux corps semblent alors presque parallèles, comme deux axes inclinés dans le sens du déséquilibre. Lors de la phase de projection, Tori va rabattre le haut de son corps en arrondissant son mouvement et en l'orientant légèrement vers sa gauche. Le tronc est fortement gainé, les jambes repoussent le sol.